Je me suis toujours dit que si j'étais un main jungle, moi, si je devrais recommencer ma carrière, from scratch, genre là j'ai 18 ans, je commence, peut-être que j'aurais été main Graves, tu vois, si j'avais que ça à branler de ma vie. Parce que Graves, c'est. Tu vois, un bon Graves, c'est obligé de le ban, ça casse les couilles. Déjà, en solo queue, tu seras jamais lock, parce qu'en fait, dans toutes les mains enculées, ah bah, c'est ça. Mais justement. Mais tu vois, moi, il y a des persos comme ça, genre top. Un des trucs que j'ai le plus regretté, c'est d'avoir main Jayce aussi tard, tu vois, ou Gnar, tu vois. C'est des en fait, un perso que tu blind pick. Qui dans le pire des cas tu fais une game even. Moi j'ai pas connu ça avant la saison 6-7 hein. Moi je me faisais full counter avant. Tu vois je dis, je suis monté de challenge en even. En jouant Fiora, en jouant Nasus. Donc moi je blindais tout le temps, j'étais first pick, je demandais first pick, je disais oh, I want even. Hop je peux first pick, oui hop je cliquais even. J'étais juste content quand je jouais mon perso, je me faisais contrer tout le temps. Après du coup l'avantage c'est que t'apprends à la dure, mais c'est pas le plus optimal. Alors que quand tu te mets à jouer des Graves, tu vois genre qu'est-ce qui counter Graves? On est d'accord qu'il n'y a pas de counter. Il y a des réponses que tu prends, ouais mais je prends ça et je suis fine. Ok t'es fine. Mais tu le contre pas, c'est ça que je veux dire. Ça counter pas les gros speed pushers qui exterminent ta tour au moindre ulti que tu poses. Non, parce que. Après, il faut savoir que faut que tu saches jouer chaîne. Moi, je me crée une règle, c'est que j'ai pas le droit d'ulti si ma wave n'est pas push. Donc, problème réglé. Il pourra jamais. Genre, imagine, ok, je maintiens ma TP. Ma TP, elle est up. Il y a un fight bot. J'ai créé une wave j'ai créé une règle de Kazewa. J'ai pas le droit de TP si j'ai pas le push. Je push, j'ulti, le mec attend la next wave, il push, je base item, je TP défensif. Fine, j'ai rien perdu. Par contre, si je joue Shadow Knight, donc déjà je perds une téléportation, pour moi il y a concept déjà. Et en plus de ça, j'ulti bot, bah non seulement j'ai Ignite, donc du coup je suis pas prêt. Enfin j'ai pas de TP, donc j'ai perdu un Joker sur deux. Mais en plus de ça, j'ai pas push. Donc là, j'ai donné wave 1, 2 plaques, wave 2, 3 plaques, et après je vais dire ah Shen marche pas. Non, c'est toi qui marche pas avec Shen. Tu vois? Et les. Ouais, la TP c'est trop fat pour Shen, je suis d'accord. Pour moi, moi je vous ai dit, l'année, de toute façon facile, l'année où j'étais le meilleur avec Shen, saison 5-6-7, les 3 années je suis passé de Chal quasiment qu'avec Shen, même sur des Smurfs, bah je jouais mono TP. Et après, dès la saison 6-7, il y a eu les autres OTP. J'étais le premier OTP à jouer Shen, hein, faut le savoir. Et ensuite, il y a eu. Comment il s'appelle Il s'appelle pas Shen Dinger, ou j'invente un mec là. Comment il s'appelle l'OTP Shen? Il y a Petou, ça tout le monde le sait. Ah, j'aurais dû prendre le Q, je suis un connard. Ouais. Zira par contre. Ouais, non, comment. Il y a eu Petou et il y a eu Shending Elf. Pardon, j'avais pas le blaze. Donc on était 3 OTP chaîne pendant un petit moment. Pendant 2 ans, 2-3 ans. Et après moi j'ai arrêté, du coup il reste plus Petou et Shending Elf. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que Petou, après, il a fait une chaîne YouTube où il apprenait tous les matchups de chaîne, que du chaîne, il streamait, faisait du chaîne, faisait des vidéos qui sont bien montées d'ailleurs, j'aime bien. Et je crois qu'il a 300 000 ou 400 000 abonnés, un truc de fou quoi. C'est fou à quel point les OTP ont réussi à se créer une brand de bâtard. Hein. De Boffs, même Sardoche qui est un OTP qui est sur la base. Enfin, il y a plein de mecs comme ça quoi. Et donc en fait, comme ces mecs-là, pardon, les Petou et tout, ils commencent à avoir 400 000 abonnés, faire des vidéos 1,5 million, vu, bah tout le monde s'est mis à jouer chaîne Ignite. En pensant que c'est comme ça qu'on joue Ignite. Mais ils sont pas courants que c'est juste la popularité qui a fait que. C'est juste qu'il y a un des mecs les plus connus, parce que honnêtement, Petou, bon. Il est devenu trop connu avec son chaîne. Et du coup, ça a créé un peu cette. S'il a créé une méta lui tout seul, quoi. Et en fait, Ignite, c'est très bien pour tuer un 1v1. Mais après, attention, Petou est très fort en tant que chaîne, hein, donc je pense que sa méthode fonctionne, mais elle fonctionne pour lui. Je pense que pour un random, un mec lambda qui start le jeu, qui dit let's go, Petou m'a dit je vais Ignite, je vais jouer Ignite. Le premier truc qu'il va dire c'est ah, Ignite, ah, Shen ça pue la merde. C'est pas fait pour moi finalement. Pourquoi il y a si peu d'OTP Mundo? En vrai, je vais être très honnête, c'est juste que c'est. En fait, il y a très peu de Chal de manière générale, tu vois. Et top, je pense pas que ce soit la lane la plus fréquente, ça je me trompe peut-être. Mais overall, imagine, regarde, il y a 300 Chal. Imagine si le jeu était équilibré, ça ferait 60 sur chaque lane. Tu vois. Donc mettons qu'il y ait 60 top. En réalité, sur les 60 top, t'en as 40, ça va tous être des copier-coller. D'accord, t'as 40 mecs, ils vont se battre sur les 8 champions les plus méta, tu vois. Ils vont juste regarder les minerais de la méta, ils vont dire ah ça c'est fort, ça c'est fort, ça c'est fort. Ah on corrige ou ça. Ok, je main TF, je main Jayce, je main Rumble, tu vois. Ils vont juste prendre les persos méta. Et ensuite, t'auras que 20 mecs réellement qui vont jouer un peu leur perso de niche, leur champion à eux, donc les one trick. Qui vont jouer leur vrai perso et donc du coup t'auras que 15 à 20 persos, tu vois, t'auras un Teemo, un Mundo, un Shogat, un truc. Et pour ça que les mecs tu vas juste les voir
Là j'attends un moment, je suis déjà 6, j'ai déjà mes 2 épées. Tu vois, j'aime bien ce que j'ai fait cette game. Je l'ai fait un peu tard mes 2 épées, je suis un peu déçu. Mais... Camille va reperdre sur le bound en plus les mêlées, je pense. Au moins 2, voire 3 si elle a pas TP. Fonce, je te supplie. J'en peux plus. Putain! Vas-y, j'en ai marre de jouer avec des... C'est trop chiant de jouer multi-chaîne avec des mongoliens là, je vous jure. Hein. Oh! Vas-y, ils arrivent derrière. C'est bon, c'est G. Fais un E s'il te plaît. Ouais. C'est bon, je m'en kill. Ça va que c'est un perso qui a pas de wave-clear, mais je l'ai fait sur un boons. C'est pour ça que ça me fait titre, parce que c'était sur un boons. En tout cas, jamais faire ce que je vous expliquais tout à l'heure. Mais là, la game était tellement even et que j'avais ma TP d'op. Qui fait que je pouvais le faire. Hop, hop, tac. Le truc est un peu décevant, c'est mon flash. Par contre, je suis sur un boon sur une Camille qui a son ulti de hop. Maintenant, je suis en OTP, donc c'est un peu relou. Je pète son top plating. J'arrive pas. Donc, elle peut peut-être appeler son jungle into multi, quoi. Pour rien que je l'ai mis. C'est qu'elle est contente là. En vrai, on a build une giga wave hein. Et on a Lise. Faire ça pour qu'elle pète son E. Si elle est no E sur un dive, c'est fou. Voilà. Attends son shield. Quoi? C'est ma gueule là, non? Non, mais je joue parfaitement. Il y a Séraphine quoi, j'en peux plus. Pas de chance. Je pense que je vais pas... Non, si, j'allais faire Tabi, mais en fait, non. Faut rusher Hydra, c'est pas grave. Comment il meurt? Il a son flash. Non, je vais pas m'énerver. L'énervement ne sert à rien, les gars. C'est pas grave, flash est compliqué. Après, on est que en master de 100 LP. Je vous rappelle que le sort flash est débloqué à partir de 8000 LP sur le ladder. Donc, c'est normal. Ça c'est l'affichage de Riot Games, ça a été codé comme ça, mais c'est... il avait pas son flash là en fait. Ouais bah ouais. Il a perdu son HP, c'est trop. C'est incroyable là, le trade qu'il vient de faire, il est insane. Hein. Non par contre ils ont senti le move, c'était trop obvious. Deux waves qui accumulent, chaîne qui avance. C'était obvious, mais c'est juste qu'Elise a trop mal joué, elle a cocon pour rien, elle avait pas ward derrière elle. Moi j'ai joué parfaitement mais elle a tout mis quoi. Parce que j'ai fait perdre le E de Camille avant que ça commence. J'ai avancé, je l'ai mis à gauche pour que Camille soit lock. Into j'ai fait un E qui chopait les deux et qui ramenait le tube à l'intérieur pour qu'il soit buffer. Je vois pas comment j'aurais pu faire mieux. Go. Allo. Go 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 go. Smolder. Joue. Ou plus. Pas dommage, dommage, on en jouera demain. Je vais acheter mes tabis ninja du coup. Je vais pouvoir ulti peut-être. Putain, Elise aurait dû faire le zap à l'étape pour que je puisse l'ulti. Bon, c'est pas grave, on a peut-être deux dragons. Hein. En vrai de vrai. C'est pas une canon wave par contre, c'est relou. Toujours mourir. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il s'amuse avec les gens. Non mais. Elle a flash E un sbire quand je vous dis qu'elle est nulle, Elise. Non, mais pourquoi le E-in? Smolder avait le kill, bro. Non, c'est trop. Ah, mais c'est Chamallow ça? Ok. Désolé pour ce que j'ai dit, Chamallow. J'ai ulti Smolder. Hop. Bon, j'ai défendu Michel. Je retourne en haut. Je pense que c'est bien. En vrai, je pense, vrai de vrai, la game est free. Parce que là, c'est stack, stack. Et je joue chaîne, et les mecs font rien. Ils font littéralement rien en fait. Hop. Oh non.
Allez, tu vas te coucher. Je vais t'apprendre le jeu si tu veux, Camille, mais ça suffit maintenant. Il va falloir le prendre à 15 dents. Alors. Je suis pas sûr du projet, Camille, mais c'est pas grave. Hop. J'ai mon... Bon, au final, j'ai mon hydre. Pas du tout. Push la next. On a perdu Drake. J'ai pété mon crâne. Mais comment on perd Drake avec l'avance qu'on avait là? Ok, bon, je cherche ça. Il va flash, je le sens. Tu es bien senti, mec. Hop. On cherche les Ezreal. Défonce sa gueule. Je suis désolé. En fait, c'était important de lui envoyer un message. Vraiment. Là, je sais ce que vous dites. Mikazé, tu as donné deux plaques à Camille. Mais en fait, des fois, les messages, c'est plus important, que la game ou que ce que vous voulez. Voilà. J'aime pas la sensation d'avoir. Putain, il a pris 3 ou 4 plaques dessus. En fait, au moment, c'est vrai qu'il joue en 6 larves. Non, c'est trop. Mec, joue en 6 larves Trinity, quoi. Bon. Oh non, il a Trinity. Non, la petite Camille, elle a Trinity, là. La petite merde. Il va prendre sa plante. Je push. Hop. Hop. J'ai Q, juste avant mon shield. Voilà, il a fait son E. Ah, t'as fait du bien ta petite plante. Bien Camille, ta plante. Allez. J'espère que ta plante t'a fait du bien. Tu t'es bien régène là, c'est bon? T'as mangé un peu de boulgour, ma petite Camille? Allez, salut. Hein. En vrai, j'ai encore mon R. On est ok, tiens. Je vais reprendre cette tour. Je prends la tour, je maintiens mon R, je push l'annexe. Je pense que Camille n'a pas cette épée. Sinon, je meurs. Tranquille, après, je vais juste courir sur Elise et on est fine, je pense. Hop. Hop. Bro. Problème. Problème, problème. Ah, il a entendu le bruit, il s'est dit wait. Allez, c'est pourtant mon bro. Je base. Mourir. Il ou pas. Je pétais mon crâne. Ok. Tranquille. Ok. Ah, il a peur du Jax. Je vais top. Allez, fais un petit grab. Allez, grabounet. Allez, mon grabounet. C'est bien. T'as pas un sort de slow? Genre, c'est quoi ça? Bon, bah on perd la tour. Hein. Allez, on go prendre cette tour, ça me tilt. Smolder, ramène tes couilles. Je sais pas pourquoi. Je comprends rien à ce que foutent les joueurs, vraiment. Il a fait 0 de dégâts. Moins 4. Allez, Spiro. Allez, Spiro le retour. Allez. Les Spiro inutiles, le retour. C'est trop, hein, vraiment. Non, ils sautent tous de ma gueule. Donc, okay. Allez. Tu me défonces cette tour. Heureusement que je suis taunt man. Hein. Je vais tous les buter là. Je les laisse pas quasiment en fait. Mon taunt. Non, me taunt pas, s'il te plaît, Blitz. Ok, je les bot. Bon, j'ai laissé la top wave positive. Hein, si vous avez pas capté, depuis tout à l'heure, il y a une wave qui revient vers nous au top. Je l'ai laissé. C'est un mec qui va se mettre bien.
On a quand même pris cette tour. Je suis quand même ok dans la game là, je trouve. Ah, ça s'est récupéré, on fait ça, hop, base. Attends, là. Personne n'apprend cette wave. Super. Bon bah je vais aller top, hein. Je vais récupérer ma petite wave, personne ne va jouer apparemment. Hop, prépare le Black Cleaver. Petit en 60. Ah mais d'accord, j'ai pas l'Ultimate Hunter, c'est dommage ça. Toucher des sorts ou pas? Mais. Okay. Donc, moi je viens de faire une esquive comme ça. Et eux sont capables de toucher un sort. Ouais. Comme ça. Vas-y, bah je vais base. Hein. Tour mon R. Smolder, tu peux rester ici vu qu'il n'y a aucun adversaire. Genre, ils sont deux up sur la carte, deux top. Merci. Sans vouloir te commander. Hein. Après c'était un peu dur à deviner, deux mecs en vide de top, bon est-ce qu'ils sont en train de me gank? Pas évident. Chaîne ne build pas item tank. Alors moi j'ai jamais build chaîne tank de ma vie. Par exemple quand je le joue en compète et que les gens le bannaient énormément contre moi, il y a 3 ans par exemple j'avais fait une compète avec, j'avais joué Black Cleaver. Je jouais Hydro Titaness Black Cleaver tu vois. Même si c'était plus méta, je sais pas, je trouve ça beaucoup plus fort. Pour moi, chaîne, c'est un speed pusher. En fait, si t'as pas de capacité de 1v1, tu fais peur à personne. En gros, chaîne a besoin de push pour l'ulti. Pour pouvoir push, faites plus fort ton adversaire. Aïe. Que je vais l'avoir là, je pense pas. Hein. C'est une blague. Quoi? Pourquoi il fait ça? Bon, bah merci du coup. Hein. De rien pour la win. Hein. Allez, je vais bait, je vais les bots. Tu vas mourir. Je suis la next, ward. Merde, elle est montée la wave. Fuck. Et putain, mais qu'est-ce que fait ces équipes? J'ai l'impression que si j'ai pas mon R, c'est une catastrophe. On sait deux. J'ai pas envie qu'ils prennent des tours. Putain, mais ils sont remords en haut. Bon après ça fait TP de chaque côté vu Camille a TP, je pense. Hmm.
Non mais c'est une blague. Comment en Lane Assassin, personne défend Camille? Genre, ils sont trop nuls. Faudrait que je sois top et bot, faudrait que je me double en fait. Non, elle va se faire 100-0, j'ai pas moyen. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, je vais péter mon crâne. Ils font tous exprès de me faire. J'ai meilleur joueur du monde. J'ai moyen d'en voir. Pas tout moyen. Tu matches pas la Camille top. Bah, je joue en fonction de la tempo. Là, vu que je suis devant, en gros, Camille c'est le défenseur, moi je suis l'attaquant. C'est à moi de mettre le rythme. Et c'est à elle de défendre. Donc là, elle fait des contre-moves en boucle. C'est son jeu à elle, mais c'est pas à moi de matcher, tu vois. C'est à ma team de matcher. Et après, Shen, c'est particulier, parce que Shen, en gros, tu veux créer une wave positive en side, ulti, wave positive, ulti, objectif, etc. Du coup, tu vois, là, j'ai des gigastats, je suis pas mort. Et je peux faire beaucoup de choses. Et l'autre truc, c'est que Spirou, en scred, même si je me fous bien de sa gueule, parce que, ben, voilà, c'est pour animer un peu le stream, elle a 250 CS, c'est quand même une bonne game. La strat avec Shen quand tu joues full CR, c'est que tu tues toujours dans le vide quand tu te balades. Enfin, que ce soit de la CDR ou pas, mais. Comme ça, tu peux taunt, auto, re-Q, auto, re-Q. Tu peux avoir une 9-Q combo. La petite trick gratuite, quasi. Je sais pas s'il y a un mec là. Non, ok. Moi, hein. Ouais, j'ai un shield de fou. Le shield que je lui ai donné, c'est trop. J'ai fait un shield à 1200. Hein. Attends, mais il y a un ratio HP sur l'ulti. Mais ça faisait pas ça avant. Putain, mais c'est con que Shen ait du broken en fait. J'ai même pas capté qu'ils avaient fait ça. Attends, si c'était juste Missing Elf. Mais normalement, avant c'était Missing Elf. Et ratio AP, il n'y avait pas de ratio HP. J'ai jamais vu un Shen aussi feed. Je suis souvent feed avec Shen, moi. Après c'est surtout que je le joue jamais, donc c'est une tête de là, mais... Tape cette tour, je t'en supplie. J'en veux plus de voir des ranges taper des sbires en fait. Ça me fait mal aux yeux quand je bouge ma caméra. Quoi? Non, je t'ai pas dessus. Mais tapez, genre vous êtes des ranges. Pourquoi ils reculent? J'en peux plus, genre. Arrêtez d'être mongolien, genre, sans déconner. Ok, c'est bon. Non, il s'est attrapé lui aussi. Ok, faut chier. Pourquoi il kite pas vers nous? Mais. Oh. Je comprends rien ce qu'on fait. Je vais essayer de pas m'énerver, mais ma team force un peu là, vraiment. Allez, je vais mourir à 30. Je reconnais, ça c'est du master sur les pieds. Bah, c'est bizarre comment t'as su ça. C'est incroyable. Et pourtant, ces jours-là, ils ont fou l'ego. Hein. Comprenez que là, l'ego de cette game est incroyable. Hein. Contrairement à ce que vous pouvez penser. La plupart des gens à cet élo-là, ils ont un ego de fou. J'ai moyen d'en 7. Après, là, c'est une combo particulière parce qu'en fait, on a une combo Siege et les mecs font que split. Je sais pas pourquoi. Du coup, il faudrait que je sois et le tank et le split pusher, mais je peux pas. Donc c'est compliqué. On fait les setups de merde.
Tu vois, on trappe, je sais pas ce qu'on fout en fait. Pourquoi il faut pas juste un gros push à 4? Inhib, inhib, reviens intérieur Drake. Intérieur Nash, GG. Moi, je l'utilise défensif si quelqu'un est pas d'accord. Et faut push et mid, hein. Je sais pas pourquoi ils sont obsédés par le dragon, hein. J'en peux plus. Hein. Qui c'est qui call là? Pourquoi ils font autant de merde? Mais pourquoi ils font deux blocs de... Quoi? Non, c'est trop. Allez. Ouah, les dégâts. C'est trop. C'était quoi ça? Bon bah GG. Donc là il a invoqué Dragon Ball, non mais... Je sais pas ce qu'avant Smolder, il a appuyé sur deux boutons, tout le monde a perdu toute sa vie. Smolder diff. Ah ouais, il a été bon là. Hein.